Et malheureusement, l'aide internationale, et notamment celle que nous pourrions apporter, nous, les 32 000 bénévoles de la protection civile française, eh bien, ne parvient pas en Birmanie. Alors aujourd'hui, évidemment, toute cette journée, ce sont des interventions peut-être moins spectaculaires, plus quotidiennes, il y a des caves inondées, il y a des étaiements de maisons, c'est bien cela ? Oui, vous le voyez, d'ailleurs, on est plutôt en situation réelle, puisque la pluie nous accompagne. Aujourd'hui, l'idée de l'exercice, c'est de faire en sorte que nous puissions valider un certain nombre de concepts sur la prise en charge de réfugiés et sur la façon dont, en passant par la grippe aviaire jusqu'à l'étaiement et la vidange d'un certain nombre de sites inondés, nous puissions apporter le soutien nécessaire à la population et à la structure, soit étatique, soit aux structures communales. Merci beaucoup Yannick Chenevard. Ça se passe donc toute cette journée dans l'agglomération de Dijon, la protection civile. Merci. Lons-le-Saunier.